Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de The Evil Within 2. Pardon, sur PC, l'épisode 11, et on va tout de suite continuer avec la suite du chapitre 15, à la fin de ce monde. Donc je risque de parler un petit peu moins fort, un peu minuit, quelques de mon côté. Si je sais ça. Correctement, ce. Ah, c'est pas là peut-être. Ah non, d'accord, c'est là. Hop. Passage secret. Il y a un bug des sonneurs, non? Je sais pas si vous l'avez vu aussi. Je pense que c'est dû, c'était dû à la musique du. Comment il s'appelle déjà? Musique du miroir. Il faut que je me débarrasse de ces créatures. Peut-être qu'ensuite je pourrai la rattraper. Aïe, ça fait mal. Casse-toi de merde. Mais arrête. Je te dis que... Que du 200 pour ça. Bon là, il n'y a plus grand chose d'horreur. Hein. Voilà, pour la boucle. Un peu n'importe quoi. Ouais, on est parti. Parti pour la drogue. Balle pour tuer quoi. Ah, ils ont craqué. La plus d'action, mais s'il y avait plus de balles aussi, ça m'irait. Bon. J'espère qu'elle est pas allée trop loin. On va se le faire en fusil à pompe, hein. Tant pis. Ah, non, que y a des carreaux dans la balle, si jamais. Mira, arrête-toi. Deuxième phase.
prend plein sa gueule, hein, Sébastien. Peut-être pas le temps, mais eux ils l'ont. Sur le toit, c'est peut-être un peu tard, je pense. Ouais, un peu trop tard. Ah non, là, excuse-moi, oui. J'ai pas encore regardé toute la map. Oui, je vois ce que tu veux dire. Hop. Ça n'empêche que le mec de tout à l'heure, je l'ai pas vu. Le lance-flamme. Enfin, tout à l'heure pour nous qui sont sur Twitch. Plus longtemps pour vous qui êtes sur YouTube. J'en mange plus. Désolé, je les ai pas vus. Elle est là. Vite en vite. Oh merde, t'es comme ça. Oh non.
le dernier. Mira! Où vas-tu? Je te laisserai pas faire de mal à Lily. Lui faire du mal? Je ne ferai jamais ça! Je l'aime! Ton amour ne peut pas la protéger. Je suis la seule à en être capable. Sébastien, je t'ai dit de partir! Je me demande si j'étais pas mute pendant un petit moment. Est-ce que tu m'entendais? Je viens de voir que j'étais mute. Sacré zone. Je ne la laisserai pas prendre Lily. On se croirait dans Lost Planet. Ah non, Dead Space. Toujours en chapitre 15 pour le moment. Est-ce que c'est notre maison? Elle y est forcément. Je peux plus reculer. Voilà, chapitre 16, dans les lames. Rentrer chez. Là, on n'est pas loin. Pas loin de là. Et je sais qu'il y a des objets collectables ici. Ça, je le sais. Alors, pour le trouver dans cette zone. Ah la pas.
faudra un miroir, s'il vous plaît. Pas forcément. Il est peut-être devenu fou en rentrant dans le STEM. Ouais, c'est peut-être un psychopathe quand même. Comme Stéphane. Le noyau est Mira. Promettez-moi de conduire Lily auprès de Sébastien quand tout ceci sera fini. Je vous le promets, Mira. Alors, au revoir. Mira avait l'intention de devenir le noyau. Mais pourquoi ? Parce que ça aurait servi Lily. Il y a peut-être pas de collectif, enfin, c'était juste les souvenirs. Tiens. La voilà, Théodore, faisons. Qu'est-ce que vous faites? Vous pensiez vraiment que j'allais vous laisser détruire, Mobius? Ils ne voient peut-être pas plus loin que le bout de leur nez, mais leur valeur est bien trop élevée à mes yeux. Quand je les contrôlerai, quand je contrôlerai le STEM, alors ils atteindront leur potentiel ultime. Maintenant, confiez-la-moi. C'est donc comme ça que c'est arrivé, que cet endroit a commencé à s'effondrer. Il y avait le bureau. Le bureau. Avec les objets et tout. Il y a là, le chat est-il là? Le chat dort ou il est mort? Château, ça. Bon, là on voit clairement que c'est la fin. Miroir ne sert plus à rien. La porte. Hop, on va changer cette arme là. Et on va acheter la compétence. On devrait arrêter de se voir autant, inspecteur.
Il manque un sacré paquet de clés. Sacré paquet de pognon. J'ai bien peur de vous aider pour la dernière fois. Ouais. Je sens que la fin approche. Vous avez Elle été aussi. Là pour moi pendant tout ce temps. Les deux fois. Peut-être suis-je avec vous depuis plus longtemps que ça. Comment ça? Qui êtes-vous? Je suis celle que j'ai toujours été. Et que je serai toujours. Je suis celle vers qui vous vous tournez quand vous puisez dans vos ressources. Et vous avez besoin de moi maintenant, plus que jamais. Et quand tout ça sera fini? Quand tout sera fini, vous n'aurez plus besoin de moi. Parce que ce sera fini? Ou parce que je serai mort? La réponse à ces deux questions est la même. Maintenant, préparez-vous. Comment voulez-vous? À part tout la musique, elle perd ça. Bon, c'est combat. Hop. Ah là là, putain, ils jouent les violons. Là, je pense qu'il n'y aura pas de traînée avant le poste. Ça va être direct le boss de fin, je pense. Enfin, story puis boss de fin. Et la dernière souvenir est en face. Juste là. Cours, Olivier, cache-toi. Je te retrouverai, c'est promis. Mais qu'est-ce que vous croyez faire, Mira? Ce que je fais, je protège ma fille. Espèce d'idiote, elle commande un tel pouvoir. Vous ne comprenez pas. Non, c'est vous qui ne comprenez pas ce dont je suis capable pour sa sécurité. Non! Non! Soyez maudite, Mira. Tu as réussi, Mira. Tu l'as mise en sécurité. Mais maintenant, tu la mets en danger. Il y a vraiment quand même des dossiers. Je sais pas. Sébastien. Pourquoi est-ce que tu t'opposes à moi, Mira? Tu ne peux pas comprendre. Ceci est notre nouvelle maison. Lily sera en sécurité ici. Heureuse. Loin de toute peur. Loin de la douleur. Non, Mira. Ce n'est pas la réalité. La douleur fait partie de la vie. Tout comme l'amour. Si elle reste ici, elle ne connaîtra pas la peur, c'est vrai. Mais c'est parce qu'elle ne vivra rien du tout. Tu ne comprends pas. Ils lui ont fait de telles choses. Moi, je peux la protéger. Non. Je t'en supplie, laisse-moi la sortir d'ici. Faisons-le ensemble. Nous pouvons encore former une famille.
Je ne laisserai plus personne me l'enlever. Non. Mira, écoute-moi. Nous avons encore le temps. Nous pouvons partir. Je ne laisserai pas Lily ici. Je t'en prie. Tous ceux qui essaieront devront mourir. Arrête, il ne m'oblige pas à faire ça. Oh, stylé. Tu m'as fait du mal. Tu lui feras du mal aussi. Je t'en prie. S'en ira, arrête. Pense à ce que t'es en train de faire. Mira, Terra, qu'est-ce que tu es? Tu ne peux pas me perdre! Je n'ai aucune envie de faire ça. Thank you.
Gratte. On n'est pas loin. Elle est pas. C'est bon. Non. Il est rapide. On va prendre ses régènes. Ah non, bah le front, je suis pas d'accord. Que neige au soleil. Tu le verras. Mira, je t'en prie. Je suis désolé. Je ne voulais pas. Non. Je n'arrivais plus à me contrôler. Tu as fait ce qu'il fallait. Je nous emmène tous loin d'ici. Allez. C'est trop loin. Laisse-moi ici. Il faut... Occupe-toi de Lily. Laisse-moi.
moi. Non, je ne te quitterai plus jamais. Pourtant, tu le dois. Vas-y. Je vous rejoins. On se retrouve là-bas. Lily, elle a besoin de toi. Ok, c'est parti. Hop, je pense que ce sera la dernière vidéo du jeu. Chapitre 16. Il faut que j'en joigne la maison. Ah, chapitre 17, d'accord. Séquence malheureuse. Elle est où? Elle est là-bas. Je veux pas... Mira? Non, je veux pas... Triste. J'y suis presque. Oh, y a même plus de bord de vie, y a plus rien, pas de respect. Non, Lily m'attend dans la maison. J'espère que tu es en vie. Nous avons rétabli le contact, monsieur. Où est-il? Impossible d'avoir une localisation exacte. Attendez, le noyau est de nouveau visible. Le marqueur s'approche d'elle. Excellent. Indiquez au marqueur comment rétablir le noyau. Je déteste annoncer une mauvaise nouvelle, monsieur, mais il est trop tard. L'environnement a subi trop de dégâts. Même avec le noyau rétabli, la destruction totale d'Union est imminente. Qu'il en soit ainsi. Il nous reste le stem, nous pouvons tout recommencer. Mais nous avons besoin du noyau, elle est trop précieuse pour tout abandonner. Que l'équipe médicale se prépare pour son extraction, combien de temps faut-il? Tout dépend de sa rapidité à atteindre le point d'extraction. Ils sont quasi prêts, ça ne devrait plus être long. Équipe médicale en place et en attente. Une fois l'extraction effectuée, que l'équipe médicale élimine le marqueur. Il a rempli son objectif. Oui, monsieur. Merde. Kid? Appelez votre homme et donnez-lui les instructions. Oh, je crois que le moment est venu. Kid. Vous m'avez entendu? Oui. J'ai entendu. Est-ce que je perçois de l'insubordination? Vous ne pouvez pas le tuer. Mais si, je peux. Et je vais le faire. Une fois revenu dans notre monde, il sera pour nous un handicap. Allez. Appelez-le et donnez-lui le point d'extraction. Allons, Kid. Il a signé son arrêt de mort au moment même où il est entré dans le stem. Alors, obéissez aux ordres ou vous signerez le vôtre. Non. Cette tentative de trahison est regrettable. Vous étiez si prometteuse. La vie. Ça y est, on l'a capitulé. Allez voir l'administrateur.
C'est quoi ce bordel? Attendez, il y a un problème avec la sensibilité là. Ah non, c'est juste qu'ils sont pas. Ces gros mongols ont pas pensé à la sensibilité de Kidman. Dernier. C'est moi, Lily. Je suis là. C'est vraiment toi? Chut. C'est bien moi. Je vais te ramener à la maison. C'est pas ici, la maison? Non, ma chérie. Mais nous y serons bientôt. Je suis fatiguée. Rendors-toi. À ton réveil, tout ira mieux. Bien sûr que tu peux. Je vous porterai toutes les deux s'il le faut. Non. Mais je... Mobius doit être arrêté. Rien à foutre, Mobius. Nous avons déjà perdu trop de temps. Nous pouvons partir tous les trois. Nous irons quelque part où ils ne nous trouveront jamais. Il n'y a nulle part où aller. Ils sont partout. Lily sera toujours en danger. Sauf... si je les détruis. Très bien, je t'attends. Dès que Mobius sera éliminé... Ça ne marche pas comme ça, Sébastien. On ne peut le faire que de l'intérieur. Le STEM ne se limite pas à cette ville. Tout Mobius y est connecté grâce à des implants crâniens. Dès que j'aurai pris le pouvoir du noyau, je transmettrai un signal grâce auquel tout s'écroulera comme une ionne. Un signal capable de réduire une fois pour toutes Mobius à néant. Mais nous sommes enfin réunis. Il n'y a pas d'autre choix. C'est le plan depuis le début, il n'en a jamais été autrement. Pardonne-moi. Mira. Chut. Juste, promets-moi de prendre soin de notre petite. N'oublie jamais combien sa mère l'aimait. Tu sais... j'ai encore tant de choses à te dire. Tu n'as pas besoin de le dire. Je ne t'ai jamais quitté des yeux tout ce temps. Je sais combien tu as souffert, je sais ce qu'ils t'ont fait. Ce que moi... je t'ai fait. Tu n'as rien demandé de tout.
Tu as vécu l'enfer à deux reprises à cause de ça. Il est temps pour toi de partir. Pour vivre. La vie qui t'a été volée. Je t'aime, Mira. Moi aussi, je t'aime. Je vous aime tous les deux. C'est pour vous que je fais tout ça. Mais le temps presse. Vous devez partir, tout de suite. La salle du STEM. Il suffit que j'arrive en bas. Tout le personnel de sécurité au rapport en salle du STEM. Tenez bon, Sébastien. J'y suis presque. Tout le personnel de sécurité au rapport en salle du STEM. J'espère que ça va marcher, Mira. Qu'allez-vous faire, Kidman? Vous ne provoquerez rien d'autre que votre mort. Vous devez bien le savoir. Vous aviez du potentiel. Vous auriez pu accumuler un tel pouvoir. Et vous choisissez maintenant de tout gâcher. Pourquoi? Après tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez fait, pourquoi cette crise de conscience soudaine? Et pour l'inspecteur? Pour la gamine. Non. C'est pour moi. Réfléchissez bien, Kid. L'humanité a besoin du STEM imaginaire. Une conscience unifiée pour toute l'humanité. La fin des conflits. La fin des disparités. La fin de la douleur. J'espère que t'avais raison, Mira. Sébastien! Kidman, je l'ai. Où est-ce que je dois aller maintenant? Dans votre salle. D'accord. Mais Mira va rester ici. Vous savez pourquoi? Ok. Nous avons peu de temps. Je compte sur vous, Kidman.
plus, c'est parce que je parle plus. T'inquiète. C'est normal. Essaye de laisser l'ambiance du jeu s'imprimer. Coopérer. Et je vous promets une mort ratée. Sinon, la punition pour votre trahison sera légendaire. Légendaire, ouais. Je suis sûr qu'on se souviendra de moi. Mais ce sera pour vous avoir anéanti. Personne ne rêve d'un monde dénué de choix. Une ruche mentale ne fonctionne que si une reine est aux commandes. Rejoignez-nous ou mourrez. Vous savez quoi? Il y a une autre option. Mourrez tout. Et c'est d'aller vous faire mettre. Vous êtes stupide! Mais je vous ai dit. Quel dommage de vous perdre en de telles conditions. Quoi? Vous pensiez vraiment que je n'avais pas prévu ça? J'ai retiré ma puce il y a 3 jours. Peu importe! Vous mourrez aujourd'hui. D'une manière ou d'une autre. Allez, Sébastien. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Du calme, Sébastien. Vous êtes en sécurité. Lily. Où est Lily? J'ai besoin de votre aide pour la sortir de là. Mettez-vous là. Vite! Thank you.
Papa, c'est bien toi. Oui, ma chérie, c'est bien moi. J'ai fait un cauchemar. Chut, je sais, mais c'est fini. Le cauchemar est fini. Tu n'as plus rien à craindre. C'est vraiment fini. Je ne suis pas à l'intérieur, en train de rêver tout ça. C'est réellement terminé. Grâce à Mira. Allez, quittons cet endroit. Bon, ça se finit sur ça? Un peu bizarre. On va passer ça. Pourquoi Kidna ne vient pas? Pourquoi me choque un Mira qui est toujours en vie? Ou du moins que la stère est toujours active. Je terminais temps total 15h12. Voilà. Ah d'accord. C'était mieux. La tenue de vagabond. Je suis pas ici pour souffrir, ok. Non, le message pour la tenue de vagabond, vous n'êtes pas là pour souffrir. Non, merci DJ. Je pense que je me referai de deuxième fois, mais hors vidéo. Ok DJ, dommage, je stream façon pour Shadow of War. Et voilà. Et voilà, et voilà. Alors, regardons ce qu'il fait. Voilà. Bon. Ce qui termine notre let's play sur The Evil Within 2. Très bon jeu dans l'ensemble. Hein. Mais non, pas un survival horror. Au début oui, à la fin non. Pas du tout. En tout cas, voilà, c'est fait.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout, vous abonner à la chaîne. C'était 2Z en chat TV HD. Passez une bonne journée, bonne soirée. Bisous les jeux vidéo.